fille. Oh, malheureux. Un poids tout fait. Et je joue pour quatre. Un poids tout fait. On va voir. Tiens, regarde, petit, et prends des notes. Un. Deux. Ah non, pas deux. Raté. Oh, raté, 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 raté. Oh, c'est inimaginable, je suis en retard, il a rigolade. Ne vous occupez pas des consommations, c'est pour moi. Hé, c'est l'acteur. Ah, pardon. Quel fils. Et il n'a même pas vu son Vitel Cassis. T'en vais venir au café pour voir un Vitel Cassis. Oh, jamais vu ça. Depuis que je te connais, j'ai jamais vu voir autre chose. Tenez, mon brave homme, voilà 20 francs que je viens de trouver. Je ne suis pourtant pas riche, mais l'argent qui ne m'appartient pas... Oh, merci, mon bon monsieur. Le bon Dieu vous le rendra. Vous croyez? Qu'est-ce que tu as, ma petite fille? J'ai perdu 20 francs. Alors, maman va me battre. Tiens, le morceau, monsieur Renoir qui est là-bas. J'ai vu ramasser quelque chose. Cours vite après lui, cours vite, cours vite. Monsieur, monsieur, c'est pas vous qui avez trouvé 20 francs? Si, ma petite, pourquoi? Parce qu'ils sont à ma maman. Et si jamais je les avais perdus, elle m'aurait battu. Ils sont à ta maman, mais... Tiens, et voilà tes 20 francs. Elle ne pleure plus. Ça y est, le bon Dieu me les a rendus. Vous êtes en retard, monsieur Coquillard. Indubitablement. Allons, allons, monsieur Coquillard. Vous êtes en retard de 2 minutes et demie. Monsieur le surveillant général, c'est inimaginable. Figurez-vous que j'avais trouvé 20 francs. Je sais que vous avez toujours de bonnes raisons. Mais quand on est maître d'études, on doit donner l'exemple aux élèves. On doit être exact. Je vais faire mon rapport au proviseur. Allons, voyons. Il m'a pris tout. Et malgré vous, Clara. Oh, oui, papa. Eh bien, fiette, voyons, tu es en retard. La récréation a commencé. Allons, viens. Oh, j'avais oublié du proviseur. Ah, toujours dans les nuages. Tout ça pour Romain. Évidemment, le cinéma qui t'a procuré ce journal. Mais personne. Eh oui, personne. Heureusement qu'autant de ça pour Romain, le cinéma n'existait pas. Vous avez réfléchi? Ah non, pas encore. Je suis très malheureux, vous savez. Je vous aime. Hein? Vous désirez quelque chose, monsieur Coquillard? Moi? Rien. Oh, vise un peu la tête du pion. Qu'est-ce qu'il a? Mais c'est curieux, parce que le surveillant général, il fait du plat à la fille du pipelet. Il est jaloux? Oui, il est amoureux. Mais comment tu sais ça? Chaque fois qu'il a une minute, il va rôder autour de la loge. Avant-hier, au marché, je les ai vus, il la suivait. Oh, mon vieux, fallait voir la fête qu'il faisait. Mais elle, elle est amoureuse de lui. C'est fou. Oh. Je crois que c'est le surveillant général qui a une chance. Oh, il a une tête de brute. Bah, il paraît qu'il y a des femmes qui aiment ce genre d'homme-là. Quand nous serons mariés, j'achèterai la pension Colbeuf. Et je la modifierai. Nous ferons fortune en peu de temps, à condition de ne pas s'encombrer de crétins comme ce monsieur Coffila. Non, mais, regardez-le. C'est un si gentil garçon. Lui? Il est idiot. Et négligent. Ah, il est complet. Bah, il n'est pas bête. Il est timide. Vous dites ça parce qu'il est amoureux de vous? Oh, il ne me l'a jamais dit. Tenez, allez faire un petit tour en ville ce soir. Il n'y a qu'à sauter le mur. Sauter le mur? Oh non, au filage, ça m'est léger, mon. Vous n'êtes pas en ville, j'ai un petit truc pour me débarrasser de lui. On va servir de Clara, ça qui est sans doute. Ça, c'est bien. Oh, vas-y, allez. Allez, prends-le. Allez, sauter le mur. Tiens, tiens. Allez, hop. Tiens, ah. Let's go!
voyez-donc là-bas ces deux élèves qui se battent. Et que voulez-vous? Le maître d'études n'est point à rien, monsieur le proviseur. Allez, allez! À quoi pensez-vous? Vous ne voyez pas ces deux élèves qui se battent là-bas? Mais où ça? Mais regardez, regardez! Oh, oh, c'est navrant. Voulez-vous lâcher le ballon? Voulez-vous vous séparer? Le guerre! Et vous êtes toujours dans la lune. À quoi pensez-vous? En vérité, je ne sais pas. Oh, vous avez l'air triste, monsieur Poupilard. Oh, il y a de quoi. Le surveillant général veut ma perte. Pourquoi? Écoutez, mademoiselle Clara, il faut que je vous dise. Vous allez peut-être me trouver un peu ridicule, mais je ne peux pas me raisonner. Mademoiselle Clara. Allez, non. Je vous. Monsieur Poupilard, regardez vos élèves, ils fument à présent. Comment ils fument? Oh, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Imaginable, je vais sévir. Allons, allons, voyons. Vous serez collé jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, monsieur, comment on fait. Vous êtes un incapable. Indubitablement. Quand vous aurez fini de traîner les pieds, c'est inimaginable. C'est malheureux tout de même. Vous êtes le petit misérable. Silence! Oui, oui, oh, c'est pas moi. Oh. Alors, biscuit, une gamme pour commencer. Monsieur Poupilard, une lettre pour vous. Merci. Encore des parents qui doivent se plaindre. Ah. Entendu. Merci. Reprenons les enfants. Qu'est-ce qu'il a? Il est complètement marron. Là. Il est tout facile. Oh. Il fait quelque chose de bizarre. Il a une drôle de façon de vous regarder. Alors, allons, allons, fillette. Dormez, soyez raisonnables. Imaginez. Il est pressé d'aller à son rendez-vous d'amour. Oh, regarde-le, il se parfume. Oh.
prévision, hein. Je me suis couché tout habillé pour pas perdre de temps. Et moi, j'ai même gardé mes godins. Silence. Dormez. T'es pas fou, laisse-le sortir. Je sais pas comment tu vas faire pour passer la porte, le concierge est tellement rose. Oh, dis, hé, venez voir. Oh, ça alors, on aura tout vu. Oh, il est culotté, hein. À notre tour, maintenant. Oh, et moi, je vais avec vous. Moi aussi. Faut une nourrice maintenant. Comment vous sautez le mur, petit manquin? Non, monsieur, c'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? Il a vu des choses. Oh, merde, mais. Monsieur Profilat, monsieur Profilat. Ça, c'est le comble. Profilat, il est couche. Il en manque trois. L'autre a couronné sauté le mur, quel idiot. Je te fais 100 points au billard. Qu'est-ce qu'on loue? 20 sous. Non, c'est... C'est à vous. C'est inimaginable. Si, garçon, ce serait l'amusant. C'est inimaginable, vous ici. Oh, monsieur Profilat, quand on a vu que vous sautiez par-dessus le mur, on a fait la même chose. Vous êtes des petits polissons. Oh, on fait de mal à personne, monsieur Profilat. Oh, on fait un petit billard, quoi. Oh, quoi, vous êtes pas si méchant. Voulez-vous rentrer tout de suite? Oh, laissez-nous finir notre partie, monsieur Profilat. Finir votre partie. À combien jouez-vous? 100. J'ai déjà 33. Non, allez, rentrez. Oh, 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 oh. C'est inimaginable de jouer comme ça, voyons. Il n'y avait qu'à pousser les billes. Garçon, un carvitel. Ah ah. Là, un point assez difficile à jouer. Ça, c'est mon pouf. Je prends ma bille en tête et regardez bien ce qui va se passer. Oh, le proviseur. Cachez-vous vite, monsieur. Monsieur le proviseur, oui. Je vous fais un petit billard. 50 points avant d'aller nous coucher. Volontiers. Oh, mince, le mec, il s'est pas joué. À vous l'honneur. Dieu. Une vertaine. Une camomille. Elle est très légère, hein? Oui, monsieur. Deux têtes. Bien, monsieur. Oh, pas de chance. Allons. Allons, bon, oh, mais ça semence. Allez, passez vite, mes enfants. Voyons, allez, passez vite. Ça, c'est le comble. Qu'y a-t-il? Ah, rien, monsieur le proviseur. Recommence. Bon. Vous attendez? Pas moi. Je me suis senti un peu souffrant. Je suis allé prendre l'air. Ah, vraiment, monsieur. Vous êtes allé prendre l'air avec les élèves. Et vous sautez le mur avec les élèves. Monsieur le surveillant général, je ne peux pas vous expliquer. Non, en effet, non. Vous ne pouvez pas m'expliquer. Votre compte est bon. Quant à vous, petit bandit, on vous mettra à la porte demain. Allons, mes enfants, couchez-vous et ne faites pas de bruit.
C'est un scandale qu'il faut étouffer. Oh. Ah. Mais si cette histoire s'évritait, nous sauterions tous. Il faut d'abord punir les élèves et renvoyer Pompila. Vous êtes fous. Il faut au contraire dire aux élèves qu'on n'en parlera pas s'ils promettent de ne plus recommencer. Et puis attendre une autre occasion de nous débarrasser de Pompila. Mademoiselle Clara. Monsieur Pompila. Oh, pardon. Vous avez du courrier. Ah, voici une feuille de contribution. Une convocation pour faire vos 21 jours. Eh bien, il ne manquait plus que ça. Oui. Monsieur le surveillant général est convoqué pour une période militaire. En ce moment, on appelle tout le monde. Monsieur Pompilas est convoqué aussi. Ah, parfait, parfait. Ça arrange tout. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, pardon. Monsieur le proviseur, je suis convoqué pour une période... Je sais, monsieur, je sais. Et vous avez de la chance. Parce que sans cette convocation, j'aurais été contraint de prendre contre vous des sanctions pénibles. Allez faire vos 21 jours, monsieur, et j'espère que vous nous reviendrez en ayant une plus haute conscience de vos devoirs. Je... Allez, monsieur. Bien, monsieur le proviseur. On voit bien une raison pour le flanquer à la porte dès son retour. Je suis tellement surpris, n'est-ce pas, que la tête me tourne. Alors, Fiette, Fiette, viens donner une réponse favorable à ce pauvre garçon qui s'en va servir sa patrie pendant 21 jours. Ah, oui. Une réponse favorable. Oui, oui, oui. Eh bien, est-ce que vous espérez un jour aller à Paris? Mais bien sûr, moi, non, bien sûr, avec les notes qu'il a, il est tout désigné pour aller à Paris. Ah oui? Oui, oui. Eh bien, alors c'est entendu. Mon ami, je vous donne ma fille. Oh, oh, monsieur Bélusage. Oh, oui, 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 ce... Allons, viens, 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 viens. Allons accompagner ton fiancé à la gare. Attention, messieurs dames. Vous pouvez pas faire attention, voyons. Une valise que j'ai payée 48 francs. C'est inimaginable. Monsieur Pompila. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ah, bonne nouvelle? Je me méfie toujours des bonnes nouvelles. Ma fille est fiancée à monsieur le surveillant général. Ah. Allons. Pauvre garçon. Pauvre garçon, lui? C'est la plus sale nature que je connaisse. Oh! Oh! Oh, ça l'a un crack! Elle a de la sympathie pour lui. Je le sais bien, mais dès notre retour, je vais le faire balancer, ça ne fera pas un pli. Ah. Alors, vous venez me voir là-bas dimanche, tous les deux. Nous ferons un bon déjeuner, nous visiterons la ville. Il y a un cimetière gallo-romain très intéressant. Gallo-romain, merveilleux. C'est entendu, cher ami, nous arriverons samedi soir. Où suis-je? À la gare, vous êtes tombé dans les pommes. Vous croyez? Ah, ah. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Oh, oh, je suis bien malheureux. Quel train vous prenez? Le train de 8h47. Mais c'est celui-là! Ah, ah, sapristi, il faut pas que je le manque. Ah, ça serait le bouquet, alors. Fillette, envoie un baiser à ton fiancé, je te le permets. Dites-moi, monsieur Pompila, c'est de ma fiancée que vous envoyez des baisers? Oui. Non, enfin... Quoi, enfin? Rien, et puis... Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas tourner autour de celle qui va devenir ma femme. Vous n'êtes encore que fiancée. Je ne suis que fiancée? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'êtes encore que fiancée, indubitablement. Alors vous espérez que... Oh, sans blague, avec la tête que vous avez. Conservez vos distances, je vous en prie. Mais regardez-nous tous les deux, mon garçon. Et puis je suis votre supérieur, vous m'avez compris? Votre supérieur. Quand nous reviendrons au collège, je vous promets mon petit monsieur Pompila. Oh.
Pardon, madame. Il est gentil, ce petit. Oh, veux-tu descendre, bébé? Il est insupportable, ce petit. Veux-tu te descendre? C'est très long, non? Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça, non? Pardon. Alexa, vous venez aussi faire vos 21 jours? Oui, bon, bon. Vous êtes du 650e? Bien sûr. Elle est bien bonne. Mais alors, si t'es du 650e, t'as sûrement connu Brifo? T'as connu Brifo? Non. Mais oui, voyons, Brifo. Ben mon vieux, si t'as pas connu Brifo, tu parles d'un numéro. Et puis un blagueur. Moi, rien d'y penser, j'en pleure. Moi, j'ai connu Brifo. Sans blague. Ah, oh, je pense bien que j'ai connu Brifo. Ah, vous voyez, il a connu Brifo. Ah, quel type. Ça me rappelle l'histoire de la bonne du bistrot qui vendait des frites. Oui, 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 je me rappelle. Même qu'il y avait... Le JT qui s'amène tout à gauche. Oui, bah, dis donc, et c'est très rigolo, tu vas me faire tes 21 jours aussi. Il n'y a pas de danger qui vienne, le salaud. Il est mort. Quand je pense que ce Pofila avait le toupet de t'envoyer tes baisers. Oh, bah, après tout, il a bien le droit de me trouver à son goût, hein? Oui, 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 oui. Mais moi, je n'admets pas que ce vulgaire pion envoie des baisers à ma fille, qui est fiancée à un surveillant général. Madame. Merci. C'est inimaginable. En tout cas, pendant 21 jours, la consigne est de ne pas s'en faire. Hein. On se retrouve entre hommes, c'est agréable. Et comment? Moi, je rigole en pensant à la tête que doit faire ma femme en ce moment. Elle est une jalousie féroce. Elle ne peut jamais me laisser sortir seule. Elle est jolie. Oui et non, on dirait une chèvre. Merci, je suis au régime, je bois de l'eau minérale. Attention, ce beau. Bon, ça y est, on arrive. On t'a valide, Captain. Vous voulez faire votre carrière? Oui. Bon, mettez-vous là. Merci, voyage. Vous voulez faire votre carrière? Oui. Bon, alors mettez-vous là à la suite. Alors, pressons, pressons. Et c'est ton parti? Quels sont les gradés là-dedans? Monsieur qui sont gradés, ils sont délirants. Vous êtes gradé, vous? Oui, sergent, je suis caporal. Ça va. Alors, prenez le commandement et emmenez-les à la caserne. Gardez-vous. Élevons la tête. En avant. Allez, allez, Diego. Alignez-vous, c'est une bagaille de commandant. Ah, je suis content, ça me rappelle mes 20 ans. Gauche, droite, gauche, droite. Gauche, droite. Allez, pied gauche. Allez. Dites-moi, vous ne pouvez pas marcher au pas comme tout le monde, mon ami? Votre ami? Section. Allez. Combien d'hommes? 12, mon lieutenant. Qui se mettent à gauche. Mettez-vous à gauche. Allez, allez, dépêchons-nous. Là, vous aurez fini de traîner les pieds, vous. Quel est votre grade? Caporal, mon lieutenant. Il a l'air bien, ce petit caporal. Nous avons justement besoin de sous-officiers. Voyez donc ces états de service. Voyons, lieutenant. Alors, nous allons faire notre période ensemble. Attendez qu'on vous adresse la parole, s'il vous plaît. À la bonne heure. J'aime les gradés qui ont de l'autorité. Décidément, il me plaît, ce caporal. Quelle est votre profession? Professeur. Pardon, pardon. Répétiteur. Professeur. Un vulgaire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont quelque chose à vous? Qu'est-ce que c'est que celui-là? Je ne sais pas, mon lieutenant. Je suis répétiteur en attendant d'être professeur.
vous devriez être officier réserve, mon ami. Ce sont les éducateurs qui doivent donner l'exemple. Menez-moi ces hommes au magasin d'habillement. Bien, mon lieutenant. Allez-vous ! À droite ! Hey ! À la mort ! Gauche ! Allez, Ralph, et quand d'autres pièces, ça te comme un gant. Allez, au suivant. Salut, garde-mythe de mon cœur. Voilà quelques particuliers qu'il faut déguiser en guerrier. Ah non, non, serrez la derrière, non, avancez. Ce caporal est moi aussi balterne dans la vie ordinaire. Ici ? Eh bien, qu'est-ce que vous avez à bailler comme ça ? Vos vêtements ne viendront pas tout seuls, allez les prendre. Vous avez l'air d'une ambule. Oh, de moi ! Son supérieur direct ! Oh, vraiment ! C'est très curieux. Tiens, essaye ça, toi. Et puis on Allez, en voilà une qui est juste à votre taille. Et qui a même des galons. C'est vrai. Merci. Mais dites-moi, mon ami, cette veste est trop grande pour moi, voyons. Adressez-vous au caporal, si vous dites changer de folie. Bien, bien. Non, ça pourra aller. Dites-moi, Coquilla, s'il vous plaît. Caporal, vous ne trouvez pas que comme ça, je suis un peu ridicule? Je vous trouve toujours le même. Allez, vous autres, prenez votre équipement et en route pour la chambre. Allez, là, par ici. Merci. Regarde un peu les réservoirs, la tête qu'ils ont. Ils sont gratinés. Oh, ça va la ferme, la blouse angle. Et vous, c'est dit qui sort, le filon. Et de pas n'importe servir, et pasteur. Ah, vous m'avez, sergent. Sergent, où je m'en mets, moi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment vous appelez-vous d'abord? Mégo et moi, il m'a j'ai mon tété, bébé, pour les dames. Alors quoi, vous ne savez pas lire, regardez celui ici, là, ce qui est écrit. Alors voilà votre place, alors dépêchons-nous. Oh. On va voir des œufs. C'est pas mon pote, il va le don, quoi. Mes enfants, je trouve que ça n'aime pas tant de se trouver entre hommes. On va vivre ensemble pendant 21 jours. Embêté, hein? Je veux voir des figures souriantes. Oui, monsieur le surveillant général. Que des figures souriantes. Vous avez compris? D'abord, je vous prie, monsieur, de ne pas mettre vos sales affaires sur mon lit. Non, mais sans blague, dis donc. Mais que tu es au moins ambassadeur, faut qu'on est comme ça. Toi. D'abord, je vous prie de ne pas me tutoyer. Oh, je veux bien te dire, vous. Parce que t'as la figure qui n'appelle pas la sympathie. Qu'est-ce que vous dites? Répétez-le. Je vous préviens que je vais t'en placer un dans les tétés. Et là, silence, je vous prie. Enfin, qu'est-ce qu'il a bluffé, ce client-là? Moi, je suis correct avec lui, je veux qu'il soit correct avec moi. Mais on sera correct avec vous, c'est entendu. En attendant, balayez la chambrée. Moi? Que je balaye la chambrée? Oh, voudriez peut-être que ce soit moi? Mais ce serait tout de même plus naturel. Étant donné que dans la vie, je suis votre supérieur, vous devriez vous en souvenir. Mais je m'en souviens très bien. Aussi, vous ferez la chambrée toute la semaine. 1000 jours, il aurait bien peur. Mais t'as qu'un plumeau. Mais voilà, qu'est-ce qui t'est arrivé comme ça, maman? Je pense à la tête où va faire le pion sous la vie militaire. Il va être bizarre. Ouh, sapristi, je suis en retard pour sonner le réveil. Alors, messieurs, debout. Debout. Alors, messieurs, debout. Debout là-dedans. Alors, allons, debout là-dedans. Debout. Allez, debout là-dedans. Oh non, mes soldats, tu es pas lourd, toi, tiens. Tiens. Allons, l'homme de chambre, grouillons-nous. Ça vient dessus. Eh, dépêche-toi un peu, toi, l'andouille. 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 Monsieur l'andouille. Voulez-vous avoir l'amabilité de me servir mon petit déjeuner, s'il vous plaît? Monsieur Fofilla, je me permets de vous faire remarquer une fois de plus que je suis votre supérieur et que je... En attendant, prenez le pinceau et balayez-moi la chambrée. Et au tronc. L'andouille. Minus à pince. Un peu moins de bruit, s'il vous plaît. Rassemblement!
Garde vous. En avant. Halte. Je ne veux pas de tireur au flanc dans ma compagnie. Il plaît au caporal. Bien, mon capitaine. Qu'on ne m'attende pas au mess, je déjeune chez le maire. On fait bon. Caporal, un adjudant. Surveillez vos hommes, hein. Pas de tireur au flanc. Celui-là, hein. Mets-le en main. Et que ça saute. Soyez tranquille, mon adjudant. Ah, je vous recommande aussi celui-là. Une forte tête. Monsieur ne veut pas coucher à la caserne. Monsieur saute le mur. Ayez le à l'œil, caporal, hein. Et ne craignez pas de le boucler. C'est gai. Alors, tu as mauvaise tête, mon petit? Non, non, c'est pas ça, caporal. Seulement, j'ai fait la connaissance d'une jeune fille délicieuse. Nous nous aimons. Eh, tu as de la chance? Mais non, puisque je peux jamais la voir. J'ai encore des copies de 8 jours de consigne. Elle t'en fait pas. Tout ça s'arrangera. Moi, en attendant, je peux pas voir ma petite Lucie. Si vous saviez comme elle est jolie. Oh, j'en suis sûre. Lucie. Mon oncle. Voyons, Lucie. Viens dire bonjour au capitaine. Ah, je roule depuis 10 minutes derrière un camion qui marche au mazout. Bonjour, capitaine. Ah, bonjour. À la vérité, ça vous remettra. Ah oui, j'en ai bien besoin. Ce parfum m'a coupé l'appétit. Ah. Capitaine, prenez place. Voilà. Que désirez-vous boire? Ben, un petit porto, comme d'habitude. Bien, mon capitaine. Oh, l'eau, l'une pipe. Pauvre jeune fille. Hein. Si j'avais 20 ans de moins, je vous demanderais sa main, tout simplement. Ben, je vous l'accorderai volontiers, mon cher. Ça n'est pas drôle pour moi d'avoir une nièce à la maison. Elle gâche ma vie. Je ne suis plus libre du tout. Vous saisissez? Ah, oui, je saisis. Ben, mariez-la. Ben, c'est facile à dire, ça. Je vais proposer un parti admirable. Elle rechigne. D'autre part, je l'ai trouvé l'autre soir flirtant avec un soldat. Faux homme, probablement. C'est très inquiétant. Ton oncle est terrible. Un jour, il nous a surpris tous les deux. Il s'est fâché tout rouge. Alors, j'ose plus lui demander la main de Lucie. Inimaginable. Pas de chance au Vilboquet. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai ma licence en droit, je vais être avocat. Avocat? Alors, mon petit, tu dois savoir plaider ta cause. C'est très astucieux, n'est-ce pas? Mais oui, oui. Bien, comment le trouvez-vous? Ah, fameux. Il y a longtemps que je l'ai si bien déjeuné, moi. Mais non, je vous parle de l'angle fiancé de ma nièce. Ah oui, un angle oui, le fiancé. Ben, vous savez, je m'y connais en homme. À l'heure actuelle, j'en ai près de 200 sous mes ordres. Eh ben, permettez-moi de ne pas préciser ma pensée. C'est bien, hey. Permission de minuit. Elle est bien bonne. Si ma femme savait ça. Oh, oh, oh. Une permission de minuit? Mais vous en avez de la chance, caporal. Ah oui, alors. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse en ville jusqu'à minuit? Je ne connais personne. J'ai juste besoin d'acheter des boutons pour coudre à mon caleçon. Ah, si encore j'avais un amateur pour faire un petit billard. En tout cas, de ta mission, ça s'arrose, hein. Venez à la cantine, caporal, je vous invite. Ah, permettez, c'est moi. Oh, non, 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 je ne souffrirai pas. C'est moi qui vous invite. Vous ferez plaisir. Vous venez? Bon, si vous voulez. Il n'y a pas toujours passé le temps. Je suis consigné. Oui, oui. Pardon. Venez aussi, monsieur le surveillant général. Merci. Oh, bon, alors restez. Quel drôle de nature. Oh, mais c'est caporal, attendez. C'est pas pour dire, mais vous savez, caporal, c'est un plaisir de vous obéir. Vous avez une autorité, ok, ça c'est agréable. Oui, oui, oh, j'ai beaucoup d'autorité, mais sur les grandes personnes seulement. Il n'y a que les gosses qui ne m'écoutent pas. C'est inimaginable. Et un litre rouge là-bas. Non, 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 pas un. Deux, en attendant. Oh, moi, donnez-moi un vitel cassis. Un vitel cassis? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es malade? Non, pourquoi? C'est pas l'infirmerie ici. C'est la cantine.
Allez, de litre rouge et au troll. Oh. Allez-vous goûter le petit vin que l'on boit ici? Non. Un petit vin du pays. Un blues. Vraiment? Eh bien, je vais y goûter. À votre santé. Merci, je suis un peu fatigué du Vitel Cassis. Voilà 15 ans que j'en bois. À la vôtre, mon petit. Un petit verre de vin pour mon argent. Il n'est pas mauvais, ce petit vin-là. Encore un petit verre. Oui, 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 oui. Pour qu'on marche bien. Dis donc, comment c'était la chanson de Brifaut? Brifaut? Oui, tout à l'heure, le numéro qui est mort. Numéro qui est mort? Oui. Oh là 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 là. Dis, caporal, comment c'était la chanson de Brifaut? La chanson. Ah oui, la chanson de Brifaut. Oui, comment diable est-ce? Attendez. Oh, oui. Ah, je la savais bien, vous savez, il y a tellement longtemps. Oh, c'était pas tant, il est prêt, ce petit vin-là. Il se boit plus facilement que du Vitel Cassis. Ça y est, je me rappelle. Alors, c'est pas ça. Chef, je suis le surveillant du collège de Bourg-en-Bexin. Et après? Je s'entretiens avec le capitaine. Et après? Je désire changer de compagnie. Vous comprenez, moi, être sous les ordres de ce pion incapable, moi, son supérieur direct dans la vie. Ça suffit, rompez. Il est 5 heures, bureau est fermé. Faites-vous soigner, ça se croit pas. Caporal, allez-y, chantez-nous le deuxième couplet. Ben vous faites allez. Pas briller, caporal, quoi. Bon, ça va. Mais ne me versez plus de pinard, comme vous dites. Chaque fois qu'un militaire est toqué toc propre, rencontre une bergère est toqué toc propre. Si elle sait lui plaire, rien qu'en la regardant, son cœur se met à faire, et toc et toc pendant. Aussitôt comme un troubadour, il lui fredonne avec amour. Qu'on soit fumiste ou ébéniste, qu'on soit pompier ou charcutier, quand on est gay, on n'est pas triste, quand on est triste, on n'est pas gay. Ah que l'amour est bête. Qui a inventé ça? On ne le sait pas. Ah, ça n'est pas sérieux. Qu'est-ce qui m'a encore rempli mon verre? Et l'on donne des galons à des poivres aux paresses. Allez, disparaissez, pédagogue. Il faut que j'aille acheter des boutons pour coudre à mon caleçon. Oh. Oh, c'est bizarre. La tête me tourne. Je n'aurais pas dû boire de vin, moi. Je n'ai pas l'habitude. Allez, vous allongez 5 minutes, ça va se passer. Vous croyez? Oui, oh, vous avez beau dire, le Vitel Cassis, au moins ça ne monte pas à la tête. Charmant, ça va se passer. Dis-nous à nous mettre en dessus pour nous bagdonner 5 minutes, nous, hein. Quand on est triste, on n'est pas gay. Ta 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 ta. Ah que l'amour est bête. Ta 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 ta. Qui a inventé ça? On ne le sait pas. Et dis donc, qu'est-ce qu'elle garde à la porte? C'est la 12e compagnie. T'es sûr? Eh, parce puisque je te le dis. Ta 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 ta. Alors vous venez, caporal? C'est du bon, les voiles. La couvre-le, voilà. Monsieur le consigné. Au revoir. Amusez-vous bien. C'est un astucieux, n'est-ce pas? Votre revanche? Votre revanche? Non, je vais me coucher. Lucie. Mon oncle? Prends l'auto. Accompagne ton fiancé. Ah, oh, mais elle ne marche pas. J'ai une panne de magnéto. Oh, c'est très ennuyeux. Si j'avais pensé, je serais parti avec le capitaine. Enfin, tant pis, je prendrai l'omnibus de la gare. Louez donc une voiture. Dépense inutile. Quand l'omnibus de la gare me pose à 500 mètres de mon château. C'est très astucieux. Mademoiselle, ça. Cher ami. Bonsoir. Alors,
Tu vas te coucher? Non, je vais accompagner mon ami. Mais puisque ton auto ne marche pas? Pour mon fiancé, elle ne marche pas et elle ne marchera jamais. Ah, ne commence pas. Il est charmant, ton fiancé. Ah oui, mais je ne l'aime pas. Eh bien, épouse-en un autre, n'importe qui, je m'en fiche. Mais je veux que tu te maries. Si tu ne te maries pas, je vais prendre de graves décisions. Tu m'entends? Bonsoir. Tu as entendu ce vieil égoïste? Il veut que j'épouse n'importe qui pourvu que je le débarrasse. Qui a inventé ça? Oh, je ne vais pas gâcher ma vie pour lui faire plaisir. Oh, mais quand tu seras marié, au moins tu seras libre. Oh, attention, tu vas trop vite. J'aime quelqu'un et je l'épouserai malgré mon nom. Ça va. Oh, j'ai peur, écoute pas plus doucement. Chut. Je suis nerveuse, tu sais, mais je conduis bien. Du reste, je suis arrivée, tiens. Allez, à demain. Va, tu verras, ça t'arrangera. Au revoir, chérie. Je me dépêche, parce que si Georges a pu sortir, il doit m'attendre au kiosque à musique. Mais sois prudente, va pas trop vite. Oui, oui, bon, merci. Alors, il y avait du monde dedans? Un accident! Où est-ce un accident! Où est-ce où est-ce où est-ce où est-ce qu'est-ce qui se passe? Faut pas la laisser comme ça, elle est peut-être blessée. Non, non, je n'ai rien. C'est la nièce du maire? C'est bien ce que vous avez fait là, caporal. Je suis le président du tribunal. Je vous signalerai à votre colonel. Et vous serez récompensé. Non, non, merci, je ne tiens pas du tout à être signalé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une bagnole qui est tombée à la fleur. Hein? Oh, c'est de la nature. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la nièce du maire qui a failli se noyer. C'est un caporal qui l'a sauvé. Et où est-il, le caporal? Ah, il vient de s'en aller, il était trempé. Tiens. Président, mon colonel, ça tombe bien. Dites donc, on me dit qu'un caporal a sauvé la nièce du maire. Comment s'appelle-t-il? Il est parti sans vouloir dire son nom, mon colonel. Oh, ça c'est magnifique. Ça fait honneur à la réputation du 650e. Il faudra me l'amener demain matin, au rapport. Bien, mon colonel. Colonel, le caporal qui a sauvé la nièce du maire a laissé tomber son porte-monnaie et son portefeuille. Tiens. Une permission? Caporal profilard, réserviste. Caporal réserviste, c'est encore plus beau. Je lui remettrai moi-même son portefeuille et son argent demain matin au rapport. J'ai le panier de spa, mon colonel. Ah, ce n'est pas une biche. Je suis à l'Oesterci avec son auto. Ah, j'ai une migraine. Il faut que je la marie, il faut que je la marie au plus vite. Oui, il faut que je m'en débarrasse rapidement. Au moins, comme ça, si elle est folle, c'est un autre qui s'occupera de la faire enfermer. Vous comprenez? Et il dort. C'est un type magnifique. Sauver une jeune fille et dormir, autant dire que ça ferait un héros. Ouf. Caporal. Caporal. Mademoiselle Clara. Mademoiselle Clara. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que le colonel veut vous voir au rapport demain matin. Vous allez sûrement être cité à l'ordre du régiment. Quelle modestie. Se sauver et dormir après un tel exploit. C'est magnifique. Oh, tenez. Il faut que je vous embrasse. Pour un homme qui s'est fichu à l'eau, c'est drôle comme il sent le vin. Il sent l'eau. Ça me donne des cauchemars. Je dois dormir sur le dos. Oh,
Eh bien, fille, dépêche-toi, voyons. Tu vas nous faire rater le train. Quelle barbe. Comment, quelle barbe? Tu n'es pas contente d'aller voir ton fiancé? Si, mais j'aurais pu tout aussi bien le voir à son retour quand il aura terminé ses 21 jours. Allez, allez, debout là-dedans. Parce que je devais être sous hier soir. J'ai rêvé que l'adjudant me réveillait pour m'embrasser. On est bête quand on a bu. Ah bon, ça. Je me suis couché tout habillé. Pas de malade? Si, moi, soldat, Zubinard. Zubinard, bon. Dites-moi, Moulin, où est-ce que prend ce profil-là? C'est celui-là. Ah. L'adjudant vient de me raconter tous mes compliments. Vous n'avez pas pris froid? Voulez-vous que je vous porte malade? Non, merci. Oh, mais c'est comme vous voudrez. Hé! Hey! Au repos, mes amis. Où est le caporal Profila? Présent. La vieille va me boucler. Ah, mon ami, je tiens à vous féliciter. Écoutez-moi. Non, non, permettez. Vous avez été magnifique. Caporal Profila, vous êtes un brave homme. Que dis-je? Un homme brave. Devant tous vos camarades, laissez-moi vous serrer la main. Mieux que ça, laissez-moi vous embrasser. Caporal Profila, vous salue. Qu'est-ce que vous avez à rigoler, tant d'idiot? C'est inimaginable. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas, caporal? Ah, mais non. Mais non, ça ne va pas. Je commence même à être inquiet. Et pourquoi? Pourquoi? Mon grand-père se baladait sur les toits la nuit, en dormant. Il était somnambule? Oui, somnambule. Oh, je vous jure que c'était impressionnant de le voir, la nuit, sur les toits, au clair de lune. L'ombre des girouettes en fleurs. Il n'y a pas de quoi rire, si ça me prenait aussi. Jusqu'à présent, je n'ai rien fait de mal, je ne crois pas. On me félicite, ça va. Mais j'aurais pu tout aussi bien fracturer un coffre-fort. Allons, allons, pressons, dépêchons-nous un peu là-dedans, voyons. Caporal, vous serez exempt de service ce matin. Le colonel veut vous voir personnellement. Le colonel? Ça y est, ça continue. Mais qu'est-ce qu'il me veut, le colonel? Vous en doutez bien. Mon adjudant, permettez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce qu'il y a? Par hasard, cette nuit, vous ne m'auriez pas réveillé? Si, caporal. Et vous ne m'auriez pas embrassé? Si. Alors c'est vrai, je n'ai pas rêvé. Est-ce que le médecin-major est gentil? Bon, il a ses têtes. Eh bien, j'en ai assez. Faites-moi porter malade. Il y avait une façon de conduire hier soir. Ça ne fait rien, va. Je suis très contente. Je veux épouser l'homme qui m'a sorti de la rivière. Tu es folle? Non. Oh, tu sais, j'étais à moitié évanouie, mais il me semble encore revoir son visage. C'est mon Georges. C'est lui, tu entends, qui m'a sauvée. Au suivant, Choubinard. Présent. Ouais, il ne reconnaît personne ce matin, j'attends plus d'un jour. Et ceux qui reconnaissent, ils reconnaissent l'avenant. Qu'est-ce que tu lui as dit que tu avais? Je lui ai dit que j'avais des aigreurs. Vous pouvez rigoler, justement, c'est vrai que j'ai des aigreurs. Encore un tireur au flanc. Ah non, monsieur le major. Depuis quelque temps, la tête me tourne. Ouais, je vois ce que c'est. Ça vient de l'intestin. Donnez-lui un lavement. 2 litres. Quoi? Moi, à Paris, je peux pas faire un pas. Prends des taxis. Aussi, pour la marche, des clous. Il parle. J'ai attrapé 2 litres. Aussi, caporal Profila. Présent. Et alors, caporal, qu'est-ce que vous allez encore me raconter pour couper aux marches-manœuvres? Monsieur le major, mon cas est très particulier. Ça remonte à loin, à très loin. Vous n'allez tout de même pas me faire croire que vous êtes malade avec une bobine pareille? Laissez-moi commencer par le commencement. Je suis plongé dans une douloureuse incertitude parce qu'il faut que je vous explique, monsieur le major. Mon grand-père, la nuit, tout en dormant, se promenait sur les toits. Vous me suivez? Oh, très bien, oui, oui, je vois ce que c'est. C'est un hystérique avec symptômes très nets de dégénérescence totale. La marche lui fera du bien. Oh, vraiment? Au revoir! Vite! Vous comprenez, mon colonel, en ce moment, les nuits sont fraîches. Il a dû prendre froid. Ah, permettez, monsieur le major. Cette nuit, indubitablement, j'ai eu des troubles. Oui, oui, je vois ce que c'est. 2 jours de salle de police. Le voilà, mon colonel. À mon ami, tous mes compliments. Et tout d'abord, je vais vous citer à l'ordre du régiment. Et je vous nomme sous-officier à la date d'aujourd'hui. Oh, mon colonel. Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis maître répétiteur au collège de Bourg-en-Vexin. Parfait, parfait. Je vais écrire au recteur de votre académie. Car vous êtes un homme. Et ce que j'admire le plus en vous, ce n'est pas l'acte héroïque que vous avez accompli. C'est votre fuite devant les félicitations que vous étiez en droit d'attendre. Permettez, mon colonel, il faut que je vous dise... Non, dites rien, mon ami. Je suis apprécié votre conduite. Attenez, voici votre portefeuille et votre porte-monnaie que vous aviez perdu sur la berge. J'ai tenu à vous les rendre moi-même. Alors, écoutez, mon colonel... Je ne vous embrasse pas parce que vous êtes enrhumé. Mais laissez-moi vous serrer la main. Vous auriez dû me dire tout de suite que vous étiez enrhumé. Collez-lui devant tout. Allez, au suivant. À propos, dites donc, je consigne le quartier ce soir à cause de la manifestation politique qui a lieu au cirque. Aïe! Bouge pas, bon sang. Et ça brûle. Dans deux jours, on viendra me voir. Et si ça ne va pas mieux, je vous ferai des pointes de feu. Ah? Allô, allô, mon cher. Venez vite. Elle a hâte de vous voir. Mais j'accours. Mais en fait, que s'est-il passé? Ah ben, elle a fait plouf. Et avec sa voiture encore. C'est une folle. Une folle? Vous m'effrayez. Mais c'est une façon de parler. Venez au plus vite. Vous resterez dîner avec nous. Mais volontiers. Avec plaisir. J'accours. C'est gay. Quoi, c'est gay? C'est tout naturel que ton fiancé vienne prendre de tes nouvelles après ce qui s'est passé. Il m'ennuie. Et puis, si l'homme qui m'a sauvé la vie cette nuit est joli garçon, et si je lui plais, c'est lui que j'épouserai. Là. Oh. 440. 450 francs. Oh. Vous comprenez, capitaine? Elle a pris des bains de soleil cet été. Elle se faisait rôtir. La peau s'en allait en lambeaux. Ça a dû agir aussi sur la cervelle. Non. Maintenant, elle veut absolument connaître son sauveur. C'est naturel. Oui, mais elle parle de l'épouser comme ça, là, froidement. Mais bravo, vous qui vouliez la marier, toute force. Ça, oui, mais pas avec n'importe qui. Oh. Comment est-il, cet homme-là? Très bien, je vais l'envoyer chercher. Chef. Envoyez un peloton chercher le caporal Pofila. Je veux dire le sergent Pofila. Bien, mon capitaine. Car il vient d'être nommé sous-officier. C'est parfait. Mais que fait-il dans la vie civile? Hein? Pour ça, vous comprenez, j'ai 200 hommes sous mes ordres. S'il fallait que je connaisse la profession de chacun, j'en finirais pas. Moi. Capitaine, vous demande au bureau. Capitaine? Ça y est, ça continue. Qu'est-ce qu'il me veut encore, capitaine? Je sais pas. T'as seulement. Un réserviste, c'est ennuyeux, ça. Il ne doit plus être tout jeune. Oui, évidemment, il n'est plus de la première fraîcheur, mais enfin, il est très bien conservé pour son âge. Ah, vous êtes voilà. Mon ami, je vous félicite et je tiens à vous exprimer toute ma gratitude. Pardon, monsieur, je n'ai pas l'honneur. Il est d'une modestie invraisemblable. Les félicitations ont l'air de lui être désagréables. Mais il faut vous habituer à être remercié. Ma nièce veut vous voir. Ah. Vous êtes marié? Non. Ah, tant mieux, je suis bien content. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Maître d'études. Maître d'études? Ouais. Enfin, vous appartenez à l'université. Je dois d'ailleurs vous avertir que ma nièce a des vues sur vous. Elle a des vues sur moi? Elle est très riche. Et puis c'est un pauvre jeune fille. D'ailleurs, vous l'avez tenue dans vos bras. Ah, elle est bien, hein? Il est vrai que vous ne l'avez vue que toute mouillée. Ah. Mais ce soir, avec sa jolie robe, vous allez en recevoir un bon coup dans l'estomac. Car vous venez dîner à la maison. Oh non. Oh, je peux pas. Du reste, le quartier est consigné. Mais non, pas pour vous. Nous dînons ensemble. Monsieur le maire nous a invités. Allez vous habiller et mettez votre belle tunique. Oh, ma tête. Il est intimidé. Cher ami, je vous quitte. Je pars devant acheter un pâté de foie. C'est très joli tout ça. Mais bon sang, qu'est-ce que j'ai pu faire? Ça alors, ils vont fort. Le quartier est consigné ce soir. Pourquoi? Mais en ville, il y a des discussions politiques. Alors, ils se cognent. Oh, comprends? Quelle barbe. Ils ne pourraient pas discuter quand ils le faisaient pour notre période. Moi, je m'en moque, je suis consigné. Et par-dessus le marché, j'ai perdu mon porte-monnaie. Il y avait beaucoup dedans? Avec 450 francs et une paille. Inimaginable. Oh, ces ventouses. Ah, caporal, permettez-moi de vous féliciter. Oh, ça suffit, à cette félicitation, hein. Et vous venez d'être nommé sergent, paraît-il. Et après, vous n'avez pas l'intention de m'embrasser, vous aussi, hein. Ah, là, là.
Et alors, vous avez à ricaner. Ah, vous, je vous prie de... Je vous prie de prendre le pinceau et de balayer la chambrée. Vous devriez avoir honte, monsieur. Elle est dégoûtante, la chambrée. Vraiment? Eh bien, je regrette, je suis malade. Malade. Shérif, malade. Je vous rattraperai, allez, monsieur Poufia, dans quelques jours. Pardon? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, rien, c'est une dépêche pour un zeb de ce pioule-là. Anatole Chou... Chou... Ah, ben, il y a un drôle d'annonce, frère-là. Choubinard. Mais c'est moi? Ah, oh, ben, tant pis. Ça alors? Voyons, récapitulons. Primo, l'adjudant vient me réveiller et m'embrasse. Secondo, oh, c'est ventouse. Dites-moi, Popila. Pardon, nous n'avons gardé que les élèves ensemble. Pardon, j'oubliais. Je ne peux pas m'y faire. Eh bien, moi, je peux m'y faire. Si je vous avais appelé Anatole au collège, qu'est-ce que vous m'auriez raconté? Pardon, caporal, je viens de recevoir une dépêche. Ah? Ma fiancée arrive pour me voir ce soir à 11h. Je voudrais bien une permission pour aller la chercher à la gare. Quartier consigné. Mais ma fiancée arrive. Ça ne m'en garde pas, aller voir le chef. Merci. Ah, sa fiancée. Il y a quelque chose qui ne va pas, caporal? Ah si. Ou plutôt non. Ah, je n'ai pas de chance. Je n'ai jamais de chance. Chef, je suis le surveillant général du collège de Bourg-en-Vexin. Et après? Après? Mais ma fiancée arrive ce soir à 11h. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Je suis en train de travailler, ce n'est pas le moment de me raconter votre vie. Mais je voudrais une permission pour aller l'attendre à la gare, elle arrive à 11h. Une permission? Quartier consigné. Enfin, envoyez-moi votre caporal. Mon caporal? Bien, bien. J'ai une tête qui me revient pas, ce type-là. Jaco, bolotte et rebolotte. Le chef vous demande. Pourquoi faire? Ça doit être à cause de ma permission. Votre permission? Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, votre permission? Enfin. Tout pareil qu'il va me la faire refuser. Il m'en veut parce que je suis son supérieur dans le civil. Et supérieur à quelqu'un? Mais parfaitement. Et tout caporal ou sergent qu'il est, je vous prie de croire qu'il marchait droit. Qu'est-ce que c'est que ce soldat qui a demandé une permission pour aller chercher sa fiancée à la gare? Il est culotté. Non, c'est vrai, il est fiancé. C'est un carottier? Non, il fait très bien son service. Qu'est-ce qu'il y a, chef? Ben, j'ai fait venir le caporal au bureau parce que tout à l'heure, un de ses hommes m'a demandé une permission. Permission? Mais ce quartier est consigné. Comment il ose demander une permission? Il y a quelqu'un de mort chez lui? Oh non, mon capitaine. Sa fiancée arrive ce soir à 11h. Comment? Il veut passer la nuit avec sa fiancée? Ben, elle est bonne, celle-là. Qu'est-ce que c'est que ce chinois-là? C'est pas un chinois. Mais au fait, sergent, vous n'êtes pas en tenue. C'est-à-dire? Mais nous partons dans 10 minutes, allez romper. Bien, mon capitaine. Tout ce que je sais, c'est que j'ai décidé de rigoler ce soir. Et pour ce qui est de rigoler, on va rigoler, tu vas voir. Le quartier est consigné. Le cerveau, oui. Donne 28 francs, merci. Au revoir. Et alors, caporal? Sergent, s'il vous plaît. Excusez-moi, sergent. Et ma permission? Le capitaine ne veut pas vous donner de permission. Et pourquoi ça? Oh, je n'ai pas le temps de vous donner des détails. Pensez, je suis invité chez le maire. Enfin, en deux mots, il estime qu'une fiancée, ça ne se voit pas la nuit. Et naturellement, vous n'avez pas arrangé les choses. Ah, mais heureusement que 21 jours, ça ne dure que 21 jours. Et après, nous nous retrouverons. Et cela signifie? Je m'entends. Oui. Voulez-vous que je vous dise? Vous êtes un pauvre type. Avec ce garçon, je suis tranquille. Tu es casé, mais enfin, il aura une retraite. Oh oui, c'est entendu. Mais je ne l'aime pas. Mais qu'est-ce que tu aimes alors? Ce que j'aimerais. J'aimerais faire du cinéma, aller à Paris. Qu'est-ce que j'entends? Faire du cinéma? Tu vas me faire le plaisir d'épouser tout de suite, monsieur le surveillant général. Hein, tu as des idées de grandeur comme ta mère. Tu voudrais jouer les Madeleine Dietrich. C'est la fin de tout. Ça m'est égal. Quand je serai marié, je serai libre. Monsieur, on va recevoir une gifle. Hein, quand tu seras marié, tu seras libre. Ah, ça, alors, pardon. Je lui en donnerai, moi, des conseils à monsieur le surveillant général. Petite gourgandine. Oh, pardon. Ah, voilà, mon ami. Et tout comme Louis XIV, j'ai failli attendre. Allons-y. As-tu là? Attention que les hommes ne traînent pas dans la ville ce soir. Le général a donné des ordres sévères. Je prends votre appel, mon capitaine. Bon. C'est moi la paix, ça y est. Moi j'ai trouvé, petit pote. Ce soir on fait une virée. Comment ça? Ben le mur. Pourquoi j'ai fait un mur? Pour être sauté. J'ai trouvé l'endroit. Tu l'as vu? Oui, c'est un charmant garçon. Il est bien, hein?
Ben, il a l'air intelligent, surtout. Du reste, ça n'a rien d'extraordinaire. Il appartient à l'université. Il a de beaux yeux, hein? Peut-être. Enfin, il n'y a pas de quoi se mettre à genoux devant les yeux. Mais je te le répète, ils sont surtout intelligents. De qui parlez-vous? Regarde. Pardon. Et n'oubliez pas Bertrand Manasson, hein. Du tact, soyez poli. Et même homme du monde. Mais sans trop d'exagération, restez militaire. Indubitablement. Mais c'est très astucieux, n'est-ce pas? Ah, le voilà, le voilà. C'est dans un monde, genre, c'est des jolis garçons, oui. Mon cher ami, capitaine, venez, venez que je vous présente à ma nièce. Elle vous attend avec impatience. Lucie, mais avancez donc, n'ayez pas peur. C'est un timide. Oui, mais pas quand il s'agit d'accomplir un beau geste. Pourquoi riez-vous, monsieur? Oui, monsieur, mais pour rien, monsieur. Le voici. La reconnaissez-vous? Non. Mademoiselle, pardonnez-moi, je suis encore un peu troublé par les circonstances. Mais naturellement, vous la reconnaissez, vous l'avez plus dans vos bras. Moi, dans vos bras? Dans mes bras. Oui, enfin, seulement une aiguille, n'est-ce pas? Alors le jour. Enfin, c'est pas une raison pour vous regarder comme deux chiens de faïence. Quelle caricature! Mais de qui parlez-vous, monsieur? Mais de... C'est donc votre consommation, je vous en prie. Il m'agace, monsieur l'homme. Oh, pardon, il n'y a pas de main, monsieur. Monsieur le maire est servi. Ah, bravo! À table. Que diable fait dans le bras à ma nièce? Vous n'étiez pas aussi timide hier soir au bord de la rivière. C'est véritablement un grand timide. Comme tous les grands caractères. Par ici, mon petit pote. Tu penserais le premier, donne-moi la main. C'est pas de pétard. Très bien. Allez, oh, saute. Allez, oh. Là. Ça y est. Là, maintenant, saute. Tu pourras te faire de mal, c'est mou. Mais saute par ici. Saute là, hein, parce que par ici, là, si la fosse est plus rare. C'est la parole du chasseur du plumier. Il l'a dit, chérie, le portons-nous. Oh, bah, petit pote, bouge pas. Qu'est-ce que c'est que ce client-là? Je reconnais, c'est le fou d'herche. Laisse faire. Dis donc, si tu veux un conseil pour pas te casser les reins, saute ici. Là? Oui, merci. Quoi? Oh! Oh! Dans quoi mon fils a sauté? Oh, les pétitants! C'est très astucieux, n'est-ce pas? En effet. Encore un truc perdreau, monsieur, voulez-vous? Oh oui, mademoiselle. J'adore le perdreau comme on aime les autres Gérard. Vous n'avez pas dû en manger souvent. Indubitablement. Vous pensez bien, dans un collège, au réfectoire... Le haricot est plus demandé. C'est très astucieux. Monsieur est universitaire? Oui. Professeur? Pas encore. Maître répétiteur. Simplement. Il y a un commencement à tout. Moi, j'avais comme pion, un pauvre diable, auquel j'avais donné 500 francs pour passer mon baccalauréat à ma place. Et vous avez été reçu? Oui. Je vous en félicite. C'est très astucieux, n'est-ce pas? Vous comprenez, 500 francs pour un pion, c'est une somme. Le pauvre diable était ravi. De vous remplacer dans un coup dur, comme le sergent Popila vous a remplacé dans la rivière quand il a plongé pour sauver mademoiselle. Pourquoi n'avez-vous pas fait comme lui? Je ne sais pas nager. Moi non plus. Comment? Et vous l'avez pas hésité? Parce qu'un soldat digne de ce nom n'hésite pas devant le danger. Il laisse les autres salopards se prélasser sur la berge à se tourner les pouces. Suave, Marie, Magno, enfin oui, en fait, etc. Turbatibus et Cora Vintis. Comme dit Virgile. Non, Lucrèce. Bravo! Lucrèce. Oui, Lucrèce Borgia, quoi. Je serais tout de même ravi de savoir comment monsieur, ne sachant pas nager, a pu se tirer de 5 mètres d'eau. Monsieur tiré par les cheveux. Très bien. Système B. Bravo, sergent. Je vois à votre initiative. Bravo. Bravo. Vous avez fait bon voyage? Oui et non. Je souffre énormément des reins. Forcément, nous avons pris royalement des troisièmes classes bien rembourrées et nous n'avons même pas dîné. Je vais vous emmener dans le meilleur hôtel de la ville. Bravo. Donnez-moi votre valise. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec ces sacrés reins. Oh. Père, c'était pas la peine de sauter le mur. Tout est bouclé. Mais non. Ah, oh, mais je m'y reconnais. C'est dans cette rue-là. Viens. Eh oui, c'est ici. Je reconnais cette maison-là. Viens, tu vas voir. Ah, c'est là. Ça y est, mon petit pote. Ça y est, on tient le bon bout. Et par ici.
Ah oh. Mais ça, c'est formidable, alors. Mais quand je faisais mon service, car là, ici, là, tu vois, ben, il y avait un beuglant. Et puis on y rigolait, moi, je te le jure, alors là. N'en doute pas. Ah, hôtel du 20e siècle et la Providence réunie. C'est ici? Oui, nous sommes arrivés. Oh, ben, c'est pas trop tôt. Ah non, c'est pas trop tôt. Oh, mais pour moi, ça, pardon. Ah. Viens, rentrons. Mais non, mais non. Tiens, plein un truc d'allumé. Allons toujours prendre un verre, quoi. Hein? Alors, tiens la petite rigolade. Menez, mademoiselle et monsieur, au café 5. Bien, madame. Pendant ce temps, je vais faire préparer le dîner. Bravo. Par ici, monsieur. Bien, bien. Oh, dis donc, Toto. Les yeux de ça. Elle est charmante. Oh, on va voir ça de près. C'est intéressant, dis donc. Encore un peu de champagne? Merci. Je ne veux pas commencer à perdre la tête. Quand je perds la tête, j'ai des visions. Et qu'est-ce que vous voyez? Des jolies femmes? Non, des adjudants. Des adjudants qui viennent me faire une bite. Des adjudants? Oui, 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 monsieur. Des adjudants, il n'y a pas de quoi rire. Qu'est-ce que je disais donc? C'est vrai, il m'embrouille celui-là. Oui, au collège. Le surveillant général est tellement rosse qu'il faut bien montrer son autorité. Moi, je n'aime pas montrer mon autorité. Très astucieux. Alors, comment êtes-vous devenu sergent? Je ne sais pas. C'est venu comme ça. Oh. C'est trop de modestie, Popillard. Vous êtes l'honneur de ma compagnie. Et j'ose dire que celle qui viendra à votre femme n'épousera ni un imbécile, ni un poltron. Et je vous ferai avoir la médaille de sauvetage. Bravo! Ouvrez le banc! Ratatatra. Merci, merci. Mais qu'est-ce qui est ridicule? Je vais vous le dire, moi, ce qui est ridicule. C'est de conserver les mains dans les poches pour ne pas applaudir un garçon qui a plus de mérite dans son petit doigt que vous dans toute votre personne. Et puis, n'ayez pas l'air de rire, je vous ferai une paire de gifles. Ah, oh, mais... Monsieur le maire. Hein? Monsieur le maire, veuillez considérer ma demande en mariage comme nulle. Je n'en remettrai plus les pieds ici. Adieu. Au revoir. Au revoir. Merci. Oh, mon capitaine. Oh, non. Oh. Oh, mais on lève ton chapeau, papa. Ah non, tu sais bien que je crains les courants d'air. Vous savez qu'elle est très heureuse de vous revoir, n'est-ce pas, fillette? Oui. Oh, vous avez une drôle d'odeur. Ah, vous croyez? Oh, c'est peut-être mon uniforme. Oh, ben, il sent un peu l'écurie, mais c'est très sain. Mais puisqu'il est dans l'infanterie. Ah, mais au fait, c'est vrai. Vous êtes dans l'infanterie et vous sentez le cheval à un point... Ah oui, c'est même un peu écœurant. Ah oui, attends qu'il est, oui. Voilà, messieurs. Merci. Tout à fait mon genre de femme. Ça doit être sa fameuse fiancée. J'espère que tu vas lui soulever. Et au trop, hein. Dans le vestibule, mademoiselle. Ah, on va boire du champagne, hein. J'ai besoin de me changer les idées. Si vous saviez ce qui m'arrive à la caserne. Vous avez de jolis yeux. Vous êtes très aimable, monsieur, mais mon fiancé m'attend. Oh, ne fâchez pas, mademoiselle. Oui, au fait, mademoiselle. Ça vous intéresse? Beaucoup. Permettez-moi de me présenter. Marquis de Kerkaridec. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oui, c'est inquiétant. Je vais voir. Le cinéma? Oh, pense. Mon frère Delay est directeur de studio à Paris. Oh, quelle chance! Alors, allons, voyons, fillette. Monsieur le surveillant, c'est impatient. Oh, il a bien tort. Allons, allons. Bravo, petit pote, bravo. Ça gaze, hein, ça gaze. Alors, pour quand le mariage? Le plus tôt possible. Mais un mariage, parce que c'est la première fois qu'on se marie dans la famille. La maison vous est ouverte, Fernand. Revenez. Je suis convaincu que ma nièce sera enchantée de vous voir. Le plus tôt possible, c'est promis. Oui, parce que je voudrais vous expliquer... Quoi donc? Quand vous la reverrez, filons-y. Mademoiselle, cher ami... Si vous savez manœuvrer, la petite est à vous. Clara? Mais non, Lucie, son oncle vous trouve tout à fait susceptible de devenir son neveu. Vous êtes les coiffés, vous. Indubitablement. Ah, tu sais, je ne le vois pas comme père de tes enfants. En tout cas, il m'a débarrassé de mon cher fiancé. Ah, c'est très astucieux. Repos. Écoutez, mon capitaine, faut que je vous explique... Non, ça suffit. Rentrez. Bonsoir, mon ami. Au revoir, capitaine. Bonsoir. Bien, mon vieux. Regarde-moi bien.
J'ai sauvé une jeune fille du monde qui m'adore. C'était une... Repos. Ta 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 ta. À gauche, tiens. Bonjour, monsieur le surveillant général. Alors, monsieur, on fait une petite promenade. Si j'étais aussi rose que vous là-bas au collège, où coucherait-il, monsieur le surveillant général? À la poipoite. Monsieur Pofila, je vous donne l'ordre de me parler respectueusement. Oui. Eh bien, je ne vais pas te punir parce que je suis plus chic que toi, mais je vais te ficher mon pied quelque part, sombre dégoûtant. Qu'est-ce qui se passe? Rien, mon adjudant. Qu'est-ce qu'il fait là-haut, celui-là? Et je ne sais pas. Il se promène. Il se promène? Ah, ça? Qui êtes-vous? Je suis le surveillant général du collège de Bourg. Oui, ça va, descendez au trou, suivez-moi au poste. Alors, sergent. Mon adjudant, vous êtes au courant. De quoi? Voilà. Je vais vous faire une petite confidence. Je suis somnant... Hul. Merci. Merci, mon adjudant. Merci. Mon adjudant. J'allais vous le dire. Ah, vous êtes joli. Oh, indubitablement. Mais allez vous coucher, ne faites pas de bruit. C'est pas de ma faute, c'est la faute au capitaine. Mais n'ayez pas peur, je vais me coucher sur la pointe des pieds. Ta 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 ta. Allez, suivez-moi, vous. À gueule, la tour est bête. Ta 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 ta. Si avancez ça, je vous ai fort. Je boirai le cali jusqu'à la vie, soit. Mais pour filer me le paiera. Je suis son chef toute l'année. Je suis son supérieur. Ah, ta bouche, bébé, Tourelle, faillite. Je vous prie d'être convenable. Je ne suis pas le premier venu. Je suis surveillant général dans un collège. Ah, c'est toi qui fiches sur la gueule des gosses. Je vous prie de modérer vos expressions. Oh, fiche-toi la feuille, laisse ton pied. Oh, madame, j'ai passé une nuit épouvantable. Vraiment, monsieur? C'est comme je vous le dis, la chambre était pleine de moustiques. Alors toute la nuit, alors comme je couche tout nu, vous comprenez? Oui, allons, fiel, allons chercher ton fiancé à la caserne. On va faire du pli radical. Bon, ça va, mettez-moi la queue. Merci bien. Adjudant! Adjudant! Qu'est-ce que c'est tout ce monde-là? Des journalistes, mon capitaine. Oh? Ils viennent tirer le portrait du sergent Pofila. Ah, oui, oui, ah, oui, bravo, parfait. Viens, Fiette. Allons, viens. Mais oui, papa. Pardon, mon ami. Pardon. Et là, et là, et là, là, vous êtes journaliste? Comment? Je demande si vous êtes journaliste. Non, pourquoi? Alors sortez. Permettez, je voudrais voir monsieur Choubinard. Quoi? C'est un réserviste. Ah oui, Choubinard, un drôle de coco. Il est puni de prison, vous ne pourrez pas le voir. Tenez, regardez-le. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il passe l'oreille à Jules. Oh, faire ça, monsieur le surveillant général, quelle honte! Oh, je le verrai toute ma vie comme ça maintenant. Ça suffit comme ça, mon ami, ça suffit. Ah, voilà notre bras. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on veut? Ce sont des journalistes. Des journalistes? Mais oui, 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 vous êtes un héros. Ils veulent mettre votre photographie dans les journaux. Mais je ne veux pas. Mais si, voyons, tenez, tenez, mettons-nous là, mettons-nous là. Mais c'est Pofila. Comment il est sergent, lui, en simple pion? Mais c'est quelqu'un. Il va avoir son portrait dans les journaux. Hein? Comment vous ne savez pas, mais d'où sortez-vous? Il a sauvé, au moment où il allait se noyer, une jeune fille très jolie et millionnaire, qui maintenant est folle de lui. Ils vont se marier. Et toute la ville en parle. Oh, ça, par exemple. Viens, fillette. Hé là, hé là, hé là, hé là, hé là. Mes félicitations. Oh, mademoiselle Clara. Ne mettez pas devant, je vous en prie. Mais si, mais si, mademoiselle Clara, mettez-vous là près de moi. Hein? Attention, bougeons plus. Écoutez, laissez-lui un peu de place, qu'on le voit, allons. Approchez, monsieur. Attention, ne bougeons plus! Merci, messieurs. Alors, c'est fini maintenant, messieurs. Dégagez l'entrée du quartier. Alors, dégagez. Oh, mademoiselle Clara, je suis bien content de vous voir. Moi aussi, monsieur Pofila. Mais compliments, vous allez faire un riche mariage. Entrez, sergent, sinon toute la ville va s'arrêter ici. Écoutez-moi, l'adjudant. Oui. Dégagez, monsieur. Alors, dégagez, mademoiselle, vous en prie.
Écoutez, monsieur Bélusat, il faut que je vous dise. J'aime mademoiselle Clara. Et si par hasard, ça ne s'arrangeait pas avec monsieur le surveillant, prenez ma demande en considération. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Non, ne me répondez pas. Je vous en prie, monsieur, n'insistez pas. Allons, dégagez. Allez, dégagez, dégagez. Allez. Monsieur Sergio. Comment allez-vous? Ça va, sergent? Ah, je suis bien heureux de vous retrouver. Bonjour, mon petit. Bonjour, sergent. C'est vrai, on m'a collé dans une chambre avec un autre sergent. Il ne dit rien, il est triste. Il me plante le plus de cafard, cet homme-là. Cafard? Mais vous paraissez tout guilleret, sergent. Il y a de quoi, je suis content. Je crois que je vais épouser la femme de mes rêves. Oh, la bonne vôtre. Le mariage, sergent, vous savez. Et vous perdez votre porte-monnaie? Porte-monnaie? Ah oui, le porte-monnaie du colonel. Ah, ça, c'est encore une histoire qui me dépasse. C'est inimaginable. Qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Ce n'est pas à moi. Quels sont ceux qui aiment le beefsteak pommes frites? Alors, moi! Que ceux qui aiment les frites me suivent à la cantine. Je paie un déjeuner à toutes les soirs. Arrêtez! Arrêtez, sergent. Est-ce que je peux vous dire de moi? Oui, si. C'est avec mon argent que vous les emmenez à la cantine. C'est mon porte-monnaie. Ton porte-monnaie? Oui. Venez, sergent, je vais tout vous expliquer. Oh, 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 oh. Mais dis donc, mais il l'emmène! L'autre soir, j'avais rendez-vous avec Lucie. Vous aviez une permission de minuit, mais vous ne pouviez pas vous en servir, vous dormiez. Et alors? Vous ne me punirez pas? Mais non. Eh bien, j'ai pris votre permission et votre veste et... pour passer au corps de garde. Comment tu as fait ça? Mais je vais sévir, indubitablement. Assois, sergent. Ah, sergent. Qu'est-ce que vous pouvez bien aller fiche dehors dans ce pays aujourd'hui dimanche? Mais il a fait une conquête, sergent. On fait une jolie poupée, je vous dis que ça. Hein? Bravo. Alors, bonne chance. Amusez-vous bien. Merci, sergent. Alors. Bien joué. Qu'un petit dégoûtant, toi. Je vais le dire au colonel. Je vous en supplie, pensez à mon cas. J'ai porté vos galons, je suis sorti avec votre permission. Il me ferait sûrement passer au conseil de guerre. Ah, ça, je m'en moque, alors. Attention, si mon fiancé nous voyait. Oh, votre fiancé. Je ne connais rien de plus antipathique que cet individu. Vous ne venez pas vous marier avec ça, j'espère. Au revoir, que voulez-vous? Je suis tout de même bien forcée. Écoutez, je pars en manœuvre demain. Voilà ce que vous allez faire. Chaque fois qu'un militaire est un guétoche provence, va chez la cantinière est un guétoche provence. Il commande à la belle deux petits verres de vin blanc et il trinque avec elle est un guétoche provence. Puis en payant son addition, il lui murmure avec passion qu'on soit fumé ou est béni. J'ai un sergent magnifique. La section l'adore. C'est un bout en train, écoutez-le. Quand on est pris, on n'est pas gai. Taratatata, taratatata. Un peu l'amour est bête. Taratatata, taratatata. Qui gare à mon égard, on ne sait pas. Allez, portez votre sac à la voiture. Mais non, ça va. Allez, allez, ne cranez pas, faites ce que je vous dis. Ah, sergent. J'ai oublié de vous en raconter une bien bonne. Et allez-y, mon vieux. J'adore les histoires rigolotes. Là, vous allez vous marrer. Vous savez, le faux chien. Faux chien? Oui, le surveillant, là. Il a fait venir sa fiancée. Bah oui, elle était là avec son père, après. Oui. Et ben, comprenez-vous, le marquis lui a fauché. Comment le marquis lui a fauché? En puis en moins de deux. Il est tout ce qu'il y a de pris pour, ce petit-là, avec son corps ou dans l'œil. Voyons, expliquez-moi. Le marquis a pris la... Oui, c'est comme je vous le dis, sergent. Elle est partie cette nuit à Paris chez le marquis, dans son hôtel particulier. Vous parlez d'une tranche d'une affaire, quand il va savoir que sa pépée s'est envolée, ça, c'est tout ce qu'il y a de marrant. Alors, ça, c'est marrant, hein? Ah, oui. Hein? Ouais, c'est marrant de tout. Alors quoi, sergent? Qu'est-ce qui se passe? On ne chante plus? Si, mon lieutenant. Qu'on soit fumé, ou est béni, qu'on soit pompier, quand on est gai, on n'est pas triste. Quand on est triste, on n'est pas gai. Taratatata, taratatata, encore l'amour est fait. Taratatata, taratatata, du cœur à mon désastre, on ne sait pas. Alors, pas de nouvelles de mademoiselle Clara? Non, et ça devient inquiétant. Si je mets la main dessus, je lui apprendrai à faire du cinéma. Qu'est-ce qu'elle va recevoir comme fessée? Vous avez lu les journaux? Oui, monsieur l'inspecteur, oui. Ça
ce faux fil-là est admirable. Quelle magnifique réclame pour le personnel enseignant et pour votre collège. Quel avancement pourrait-on lui donner? Je ne vois pas, monsieur l'inspecteur. Eh bien, moi, je vois. Voyons, votre surveillant général n'est pas très fameux. Il a passé presque toute sa période en prison. Je vais le déplacer et je nommerai Pofila à sa place. Et on n'est pas triste quand on est triste. On n'est pas gai. Mais t'en fais une babine, mon vieux, qu'est-ce que t'as? Je pense que je vais retrouver ma femme, mon vieux. Pofila, où est le sergent Pofila? Écoutez, sergent, avant votre départ, vous ayez trouvé l'oncle de Lucie et vous lui expliqueriez que... Non, non et non. J'en ai assez de cette aventure ridicule. Ah, sergent, voilà enfin. Vous n'êtes pas en prison, vous? Pas pour l'instant, mon capitaine. J'accompagne le sergent à la gare. Ah, sergent, je suis heureux d'être le premier à vous annoncer la bonne nouvelle. Le colonel a reçu l'aide du recteur de l'académie. Et vos mérites, votre action d'éclat, vous ont fait nommer surveillant général. Moi, surveillant? Ben oui, à la place du chinois, enfin du tireur au flanc. C'est inimaginable. Ben, c'est comme ça. Venez avec moi. Avant de partir, nous allons aller voir votre fiancé. Est-ce bien utile? Comment utile? Mais c'est indispensable. Enfin, je fais tes quatre volontés. J'ai renvoyé ton fiancé. Qui va me faire perdre 47 voix aux prochaines élections. Alors décide-toi. Monsieur Pofila arrive, ne fais plus cette tête d'enterrement. Et surtout, ayez de l'audace. Et le sourire. Avec les femmes, il faut toujours avoir un sourire. Salut, mon enfant. Et vous, restez là. Ah, mademoiselle, monsieur le maire. Ah, approchez, approchez, approchez. Il ne voulait pas venir, voyez-vous? Pas comme ça. Mais pourquoi donc? Pourquoi au collège? Il vient d'être nommé surveillant général. Toutes mes félicitations. Merci. Et les miennes, monsieur Pofila? Merci, mademoiselle. Asseyez-vous. Pardon. Demi-tour, ne les gênons pas. Écoutez, mademoiselle Lucie. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je suis très malheureux. J'ai tout raté dans mon existence. J'aimais une femme, elle vient de partir avec un autre. Comment? Vous écoutez au bar, madame? Mon capitaine. Oh, quel toupet! Ah, je suis un pauvre diable, allez. Un pauvre diable qui m'a sauvé la vie. Non, mademoiselle, pas même ça. L'homme qui vous a sauvé, ce n'est pas moi. C'est pas vous? Oh non, alors, heureusement. Mais qui est-ce, alors? Mais une andouille. Quoi? Mais une andouille qui me laisse débattre au milieu de félicitations que je ne mérite pas. Une andouille qui n'ose rien dire et qui est là derrière la porte en train de nous écouter. Une andouille! Oh, monsieur Pofila, il faut que je vous embrasse. C'est vrai, l'affaire est dans le sac. Oh. Pardon, mon capitaine. Et maintenant, allez embrasser votre sauveteur. Oh, oh, Charles! Mais qu'est-ce que ça signifie, ça? Le vrai sauveteur, c'est lui. Oh, comment ça? Puisque je vous le dis. Mais pourquoi n'avez-vous pas parlé plus tôt? Et parce que on ne m'a pas laissé placer un mot. Oh, quand cette histoire sera connue dans le pays, mon élection sera tissue. Non, 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 non. Pofila va rester le vrai sauveteur, le sauveteur officiel. Ah non, merci. Comment non? Vous avez sauvé, mademoiselle, vous entendez? Mais je... Puisqu'on vous répète que c'est vous le sauveteur. Bon, bon, c'est une affaire entendue. Je l'ai sauvé. Mais ce sauvetage m'a empoisonné toute mon existence. Oh. Et toujours pas de nouvelles de M. Pofila? Mais non, monsieur le proviseur. C'est incroyable, vous n'avez plus d'une heure sans être interdit. Petite traînée du cinéma. Eh bien, tu as vu ce que c'était ton cinéma. Moi, j'ai pas eu le temps. Oui, heureusement. Quand j'ai compris ce qu'on me voulait, moi, je préférais revenir. Oui, ben, tu aurais bien fait de rester où tu étais. Nous sommes déshonorés. Je me demande quel est l'imbécile qui, après ta conduite, voudra encore t'épouser. Moi, hein? Oh. Mademoiselle Clara, je vous croyais heureuse à Paris. Bon, j'aurais pu l'être si... Si quoi? Si j'avais voulu déshonorer parfois. Oh, salaud! Ce n'est plus sa mère, c'est tout moi. Voyez-vous, mademoiselle Clara, vous devriez épouser un brave homme. Tu vois, petite cervelle, ce que dit monsieur le surveillant. Un brave homme dans son genre. Indubitablement. Mademoiselle Clara, il faut que je vous dise. Mais quoi donc, monsieur Pofila? Voilà, c'est très délicat. Je n'ose pas. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver à Paris? Je ne veux pas y passer. Vite, on vous a trouvé une heure. Silence. Mes enfants, je tiens à signaler à votre admiration l'héroïsme obscur et modeste de M. Pofila,
notre nouveau surveillant général. Ah non, permettez. Mon cher collègue et ami, au nom de l'université tout entière, laissez-moi vous donner l'accolade. Oh. Ah, ça y est, ça continue. Allons, un, deux. Compliments, monsieur Profila. Oh, vous savez vous y prendre avec vos airs jocrisses. Plaît-il? Vous m'avez détrôné. Et vous êtes envoyé dans un trou. Mais patience, j'en sortirai. Je te montrerai une boîte à bachot. Je trouverai le collège. Dans 6 mois, vous n'aurez plus un élève. Alors, toujours méchant. Pour vous.